va aborder, souhaite aborder un autre thème, c'est l'obsession. Je ressens dans votre âme une forme d'obsession. Si on prend l'exemple de Cézanne, il a peint 120 fois la montagne Sainte-Victoire. Il était comme envahi par ce sujet. Dans ses premiers tableaux, la montagne Sainte-Victoire est présente, mais elle est très discrète. La montagne Sainte-Victoire est devenue un sujet principal. Au départ, il en faisait une représentation très académique. Et puis, il a commencé à s'aventurer sur d'autres chemins où il a abandonné la forme classique, un dessin classique de cette montagne pour n'en représenter finalement qu'une vision, qu'un espèce de fantôme, si on peut dire, qu'il avait dans sa tête. Et c'est dû à cette fait que cette montagne, ce lieu, était là, le hanté d'une certaine façon. Dans votre travail, je ressens quelque chose de similaire. Et j'aimerais qu'on échange un petit peu sur ce sujet. La première forme d'obsession qui est évidente, qui saute aux yeux, c'est les livres. Les livres, ils sont partout présents dans votre travail et vous employez une technique, mais cette technique, vous pourriez la mettre au service d'autres choses, de parler d'autres choses. Vous ne nous autorisez pas à vous évader vers d'autres mondes. Et ensuite, lié à ce choix-là, dans votre obsession, elle s'exprime aussi par la délicatesse et la fragilité du support. Vous découpez des livres ligne par ligne à la main, vous faites attention à ne pas couper de mots. À l'évidence, c'est un travail long et fastidieux. Et j'aimerais bien que vous m'expliquiez pourquoi que les livres et pourquoi ce procédé. Alors, vous évoquiez l'exemple de Cézanne et avec la montagne Sainte-Victoire. Et une des obsessions de Cézanne, je pense, c'était de saisir et de figer sa vision ou son expression de la montagne Sainte-Victoire. C'est cette question d'intégrité par rapport à l'œuvre et par rapport au livre, comme pour Cézanne avec la montagne Sainte-Victoire, qui est ici en question. J'essaye de respecter le livre, le texte, son imaginaire, en touchant le moins possible aux mots et aux textes. Il s'agit véritablement à la façon d'un chimiste, voire même d'un alchimiste, d'une métamorphose, d'une transformation de l'essence entière d'un livre en quelque chose d'autre. Il faut prendre un tout pour arriver à un tout. L'autre forme d'obsession qui apparaît dans votre travail, c'est la touche finale que vous apportez à vos œuvres. C'est toujours un drapé, enfin, ça a toujours finalement l'apparence d'un drapé, d'un tissu. Et la manière dont vous travaillez, la méticulosité que vous employez pour faire vos œuvres est une performance en elle-même. Et pour certaines de vos œuvres, elles me font penser au linceul du Christ ou à une relique religieuse, et d'autres me font penser à la toge d'un empereur ou un beau voilage élégant. Quelque chose qui a un côté un peu sublime et qui impose une forme de respect. Comment vous l'expliquez ? Alors, ceci, je l'explique par l'histoire du tissu par rapport à l'histoire de l'humanité. Que ce soit dans la mythologie grecque, par rapport au travail de Pénélope, le fil d'Ariane, les mois, ou même la sculpture grecque avec leur drapé très fin, très, très subtil, ou même dans certaines tribus africaines, on considère la parole comme tissée. Le tissage comporte en lui une temporalité et évoque quelque chose de très délicat. Il y a cette forme de sacralité parce que c'est un geste ancestral, c'est une technique ancestrale qui est plus vieille que l'écriture. Et ce que j'aime, c'est que le tissage est ce qui va cacher le corps nu à la base, c'est ce qui va cacher la nudité. Et c'est un petit peu ce qui se passe avec les textes que je tige. Je vais en
cacher quelque part leur sens ou leur vérité. Cacher en quelque sorte qu'il y a dans le livre, c'est une très jolie expression. Et ça, c'est une dernière question. Je trouve que dans votre travail, dans vos œuvres, il y a une forme de folie, si je peux me permettre, parce que c'est à la fois très méticuleux, très exigeant, et puis il y a un rendu qui est là, impose une forme de respect, et quand on regarde vos œuvres, il y a un silence qui s'installe. Si on regarde et on part dans un imaginaire ou dans une réflexion, quand on regarde un tableau de Cézanne, on va échanger, on va parler, on va commenter. Quand on regarde vos œuvres, ce n'est pas le cas. On rentre en quelque sorte comme en contemplation, ce qui est un paradoxe, parce que c'est une œuvre d'art qui parle du livre. Donc le livre s'est fait aussi, peut-être aussi pour discuter. Et vous, vous donnez une vision de ces œuvres qui impose d'une certaine façon respect et silence. Comment vous l'expliquez? Je l'explique d'une principale manière, c'est le fait de, bah justement de cacher et de rendre illisible le texte. En le rendant illisible, je le rends quelque part moins bruyant à sa nature première, qui est à ce que ça produise un vacarme, où en créant une œuvre avec sa sacralité, j'essaye justement ça, de rendre au silence le texte premier. Et d'essayer de dire en quelque sorte, regardez, c'est là. C'est là, peut-être pas de la manière dont vous vous y attendiez, mais ça reste là et c'est devant vos yeux. Il y a un rapport silencieux qui s'instaure avec elle pour laisser cette intimité-là aussi se produire. Vous dites s'installer une intimité par le silence entre l'œuvre de l'auteur et le lecteur est quelque chose de juste, parce que quand on lit un texte, finalement on est dans un rapport silencieux avec le texte. C'est l'imaginaire, c'est des tas de choses qui se mettent en fonction, en branle si je peux dire, mais c'est dans un rapport silencieux. Votre expression sonne tout à fait juste. Non, je trouve qu'on a fait un tour très intéressant sur le problème de l'obsession. Ça mériterait d'être plus long, mais c'est toujours difficile dans ce genre d'interview. Lors du prochain interview, je pense qu'on abordera une œuvre en particulier et qu'on essaiera d'échanger dessus. Je vous remercie, Ilan. Au revoir. Merci. Bonne journée.